Bon, on vient d'arriver. Regardez comment je suis. J'ai froid. Mais c'est pas parce qu'il fait froid, même s'il fait un peu frais dehors. C'est juste parce que je pense que je suis vraiment malade. Je sais pas ce que j'ai. J'ai envie d'aller faire dodo. Là, on vient d'arriver dans un camping. Il y a plein de camping-cars. On est en train de s'installer. On vient de faire les courses. T'as besoin de quoi? Le harnais. Attends, tiens. Le harnais à Luna. Bon, on remplit les petites cartes avant de rentrer dans le camping. Comme ça, au moins, on va pouvoir, après, se poser, mettre un peu de wifi et faire à manger. Voilà, j'ai le Kenitra, le code du fils. Ça pique-nique dehors. La mer, elle va un petit peu mieux, mais toujours un peu frais. Du coup, je reste au bord du fourgon. Vous voyez, je me suis pas trompée. Luna, elle est trop bien là. Là, elle est vraiment trop bien. Maintenant, il fait frais. Après, quand je dis il fait frais, sincèrement, c'est pas, voilà, c'est pas non plus glagla, mais faut un polaire quoi. Faut une petite veste. Oh, on a fait les courses tout à l'heure. Ils ont été dans une grande surface. Et en fait, comme j'avais mal au ventre tout à l'heure, les amis abonnés, maintenant, moi je dis les abonnés, j'aime pas dire les abonnés, mais franchement, super sympa, les gens qu'on a croisés tout à l'heure, Patrick, il nous a conseillé de boire du coca. Donc ça change pas d'habitude. Mais j'ai un peu moins mal au ventre, voilà. Puis on avait encore quelques petites bières de l'Espagne, voilà. Et puis là, en fait, comme j'avais pas trop envie de cuisiner, petit sandwich. Ah oui, t'as acheté de la confiture. Tu veux faire un chocolat chaud? J'ai encore des tablettes de chocolat si tu veux faire du chocolat. Bon, c'est bien, hein, une petite table tranquille, petit banc avec la lumière à côté, nickel. On a la petite wifi qui marche super bien. Puis on n'est pas tout seul. Ça j'adore d'être bien entouré. Ça j'aime bien. Des gens là-bas qui font un petit jeu de cartes et tout, tranquille, la belle vie. Bon, sinon au niveau de la route, chérie, ça va encore, je trouve. Hein. Ça roule bien quand même. 180 km. On t'entend pas beaucoup. 180 km aujourd'hui, je sais pas où on atterrit. On atterrit caché là. Non, pas caché là. Kenny. On vous le dira après. Kenitra. On est dans un. Si, c'est Kenitra. Ouais, Kenitra. Kenitra. On est dans un camping. Plutôt pas mal. Ouais, apparemment il y a une petite piscine. Ouais. On vous dira tout ça. 70 RAM. Donc j'y vais maintenant. Et ouais. On vous dira les prix et tout ça. Faut voir si c'est pas. Si c'est à l'extérieur comme ça. Bon, ils vont pas y aller, il fait frais quand même, je trouve. Ouais, c'est quand même. Salut les gars. Ouais, il y a des camping-cars. Faut faire. Les gens, il y en a, ils regardent la télé et tout. Respecter. Ouais. Bon, après, ça, ça va. Enfants, ils payent 12 dirhams. C'est ça, 1,20€. Et nous, c'est 150 dirhams, donc 1,50€. Ouais. Ça, c'est du beurre marocain. Mais mon beurre. C'est le beurre marocain qu'on a pris. On n'a pas payé cher. La prairie. On a payé 1 ou 2 euros, un truc comme ça. De toute façon, le beurre, c'est cher partout. Il y avait du beurre français qui était à 5 euros. Ouais, alors ça, mon chéri, il m'a pris des veloutés. J'ai dit, oh, hop, pas des marques françaises. Moi, je veux vraiment m'imprégner avec les courses d'ici. Bon, après, c'est le début. Voilà. Bah, ça, on a pas. Ils ont acheté du nut et tout, mais bon. Moi, j'aimerais bien goûter les trucs d'ici. Tu vois, le pain sandwich, ok, mais bon, maman, elle sait faire le pain. Mais bon, là, je suis pas trop en adéquation. Là. Ah, ça rentre. Apparemment, aussi, on pouvait commander du couscous là ce soir. Ouais, et quand on est arrivé tout à l'heure, ouais, la dame, elle a dit qu'on pouvait commander du couscous. Ouais. Donc, il faut le commander le soir ou le matin pour le soir. Tu peux m'ouvrir? C'est ça. Mais bon, comme on avait fait les courses, pas besoin. Bah ouais. Mais demain, je pense qu'on mangerait bien un petit couscous demain soir.
Donc ici, ici je pense qu'on va rester. C'est bon, j'ai réussi. Ici on va rester, oui. Je pense qu'on va rester deux nuits. Histoire ouais, deux d'aller, jours. On est à 2,8 km de la ville. Donc on va partir demain matin à pied avec Luna. Ouais. Et on va aller en ville demain. En on fait, va aller voir ça. Un petit conseil, c'est que quand vous arrivez dans une ville et que vous payez le camping et tout, deux arrêts, deux jours, en fait, c'est bien. Ouais, comme c'est ça, bien. Vous avez le temps de bien vous imprégner, de connaître l'histoire de la ville et tout. Enfin, oui. Voilà, au moins, avec les enfants et tout, c'est bien, on en parle. Mais nous, on aime bien bouger. Donc, deux nuits, ça suffit. On reste entre 2 et 3 mois. On a quand même le temps de se poser un minimum. Ouais. 2 jours, je pense que c'est bien. Ouais. 2 nuits, c'est bien. Ouais, après, on a envie repart, de bouger. On repart après demain matin. Et voilà. On est passé tout à l'heure. Vous avez vu juste avant, dans des endroits... Oh, les gens, c'est vrai que leur habitation, c'est tellement sommaire. Enfin, c'est... Oh, en tout cas, j'étais dans le grand centre commercial. Ça ressemblait à un Auchan ou un Carrefour par chez nous. Ouais. Je me suis senti chez moi. Ouais. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui me regardait, qui nous regardait. C'est rigolo. Mais je me suis senti chez moi. En aucun cas, je me suis senti en danger ou en insécurité. Ah ouais, non, non. Je me suis senti comme chez moi. Je faisais ce que je voulais. J'ai même échangé le pain à la caisse parce que j'ai vu qu'il y avait des petits trucs verts. Je regarde le caissier, il me fait pas changer. Ah oui, ouais, changé, t'es un peu bourré, ça arrive. Comme nickel. Franchement, ouais. Bien accueilli. Ouais, ça va. Puis regardez, moi je suis restée tout à l'heure dans le fourgon parce que j'avais pas trop envie de sortir, j'étais encore pas très bien. Oui. Bah, franchement, pas de curieux, personne. Non, on n'est pas non plus en insécurité totale, quoi. Enfin, oui. C'est un peu comme partout. Franchement, le Maroc, c'est top, quoi. Après, voilà, on a hâte quand même d'aller dans le sud. À Marrakech, on va le faire, on va faire Rabat et tout ça, mais on va se garer plus loin. Et soit on ira on verra. À Pat avec Luna ou des taxis s'ils veulent bien prendre Luna, on verra. Ouais. Bon, désolé, vous nous voyez la nuit, mais... Mais voilà, on va... On aime bien faire un petit débrief quand on a encore toutes les infos comme ça. Et puis surtout, l'air de rien, ça fatigue quand même, quoi. Parce que comme on n'est pas totalement... c'est la première fois qu'on vient dans le pays, donc forcément, il faut quand même un temps d'adaptation. Et une semaine, je pense qu'après, ça ira tout seul. C'est surtout toi qui as été malade ce matin et qu'on est cette nuit, tard. Cette nuit, j'ai fait peur à Jérôme. J'ai dit, oh, chérie, alors j'étais aux toilettes. J'ai dit, chérie, je sais pas ce que j'ai... J'étais moite et tout, mon front et tout. Je partais, je chantais que j'allais partir en m'évanouir. Et ce matin, tu m'as dit, je vais t'en donner les vapes, je savais même pas le numéro de secours. Moi, je sais rien du tout. Ouais. Et ça, je vais vous mettre en dessous. Il faudra noter des numéros de secours au cas où. Ouais. Nous, on a acheté un guide. Oui, alors, ça date, c'est un guide qui est déjà depuis quelques années. Bon, peut-être un an ou deux, je crois. Mais bon, il y a toujours encore des bonnes adresses. Enfin, voilà. Moi, on a vu quand, tout à l'heure, les abonnés nous ont pris des... Enfin, on a pris des photos avec eux dans leur guide et tout. Très intéressant pour le chien. Enfin, pour le retour, surtout le retour. Il y a quand même pas mal de choses à faire aussi. Donc, c'est bien le Maroc, mais il faut quand même être bien au courant de tous les justificatifs pour être tranquille. Voilà. Et je pense que même nous, on ne s'est pas encore assez renseignés. Il y a des choses que je me serais encore renseigné mieux en France avant de partir. Mais bon, on le fera au fur et à mesure. Puis après, bon, il y a tous les amis qui sont tous en camion, là, camping-car et tout, avec lesquels on essaye d'échanger un maximum. Et puis voilà, chacun donne son avis. Puis après. En tout cas, ce que je rencontre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Français au Maroc. Ouais. En cette période-là aussi. Des fois, on a envie de dire salam et t'entends bonjour, bonjour. Ah. Vous êtes d'où? Paris? Quel département? Il y a énormément de Français. Mais c'est bien, on n'est pas tout seul. Je pense que nous, on va avoir une retraite marocaine. Ça se pourrait bien. On a vu des très beaux appartements avec piscine, monsieur, piscine commune, comme en Espagne. Villa, appartements, des beaux trucs. On les a vus, pré-construction. Hein. Et 400 000 dirhams, donc 40 000 euros. À partir de 40 000 euros, selon le T2, le T3, et tout ça. Après, c'est situé dans le nord, donc c'est vrai, après, au niveau du climat, on regarde. À Silla. Ouais. C'était à côté. Pas très loin de Silla. Bon, en tout cas, le nord, il fait un peu frais, mais c'est chouette à faire. C'est, voilà, c'est, en tout cas, à Silla, moi, j'ai bien aimé. C'était une ville assez familiale, tout le monde se connaissait, c'était pas mal. Très jolie, on a eu une belle rencontre avec Mustapha. Salam alaikum. D'accord, et ce matin. comment il s'appelle? Moustapha, il m'a emmené dans un souk, juste là, où on n'a pas été. C'est lequel, au port? Waouh, j'étais le seul blanc. J'étais... Ah non, pas au port, en pleine ville. Un grand souk. Donc il y a deux... Ah ok, on d'accord. On n'a pas été, il m'a emmené là, et dans la boutique Inuit. Ah, il y avait un grand souk, et franchement, j'aurais bien voulu le faire, mais bon, le tir n'était pas bien. Ouais. Bon voilà, les amis, petit retour à chaud. Ouais. On se retrouve demain. On va manger, on va grignoter. Puis demain matin, au réveil, ça va être sympa. Il fera plus clair. Ouais. Dommage, j'ai loupé le coucher de soleil. On n'est toujours pas trop loin de la plage. Hein. Là, on longe c'est la côte. Là. Ah, on est juste à côté de la plage. Trop bien. Bon, allez, à demain. À demain.
ça va. T'as bien dormi? Ouais, nickel. Bien dormi. Un petit peu d'orage hier soir. On a eu une belle petite pluie. Ah oh ouais. Bon, ça va. Luna, elle avait eu peur. Nickel. Il y a beaucoup de Français qui sont partis là. En fait, ici, dans ce camping, beaucoup de monde remplit au bidon. Et nous, on n'a pas de bidon. Donc, on verra. Bon, non, si on demande un petit bidon à prêter à quelqu'un. Non, il y avait un robinet. Donc, ah bon, c'est bon. Luna, elle est folle. Elle a vu des petits chiens, elle est folle. Bon, là, on se dirige. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Il parle d'une piscine, mais je pense pas qu'elle soit ouverte. Les emplacements sont quand même assez grands, c'est bien. Si j'avais un grand camping-car ou autre, je pense qu'il y a moyen de pouvoir s'y stationner. Alors ? C'est pas un terrain de foot. Sam et son foot. Il voulait un terrain. Alors, c'est pas un passage, là, mon fils. C'est pas un passage, là. Non. Mais j'ai créé un passage. Là, il n'y a pas d'eau dans la piscine. Ah bah là voilà la piscine. Oh la vache, tu vas te casser la figure. Oh, elle est grande. Mais il n'y a pas d'eau. On va venir quand c'est bon. Ah ouais, c'est une belle piscine. Hein. Il n'y a pas d'eau, il fait trop froid pour eux. Ah ouais, je pense. Bah en même temps, même moi, hein, on a encore des vestes. Hein. On est encore en pull, hein, toi aussi. Hein. Ah, elle est belle. Ouais, c'est bête. Ah, après, le garde, car là, j'ai pas encore bien fait. Il y a des trous et tout, donc... en réparation. Bon, on va se préparer, plein d'eau partout. On va aller en ville. Luna, elle est énervée. T'es énervée, Luna? L'air de rien, c'est un bon chien de garde quand même. Parce que comme elle est pas, elle a pas trop ses habitudes ici, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche ou un chien, c'est... Là, on se dirige vers le toilettage pour aller essayer de nettoyer Luna. On va essayer. On a rendez-vous là à 16h. Il est 16h. Et on va voir comment ça se passe. Salon du toilettage, il est à l'étage. Vous voyez ici, il y a plein de choses si vous avez besoin pour vos animaux. Tous les petits accessoires, les paniers, il y a de la nourriture aussi. T'as besoin d'avoir un harnais ? Ah, elle se demande quoi, Luna? Elle croit qu'on va aller chez le vétérinaire. De l'huile de poisson ici. On arrive au salon. Alors, ma fifi, on va essayer. Bon, déjà, il y a une muselière, je l'avais dit ça. Jérôme, il craint le pire. Tu vas la servir? Elle est pas rassurée.
Bah, pas déjà maman. Luna est en train de faire ses oreilles. Ah, c'est difficile avec Luna. Ah là là. En fait, elle adore l'eau, mais dès qu'on la lave sur quelque chose en hauteur, elle n'aime pas. Ouais, belle, ma fille. Bon, en tout cas, vous pouvez venir ici. Hein. Ils sont super cool. Super cool. Là, on va mettre la serviette, ma fille. Ouais. Ouais. Il t'aime bien, hein, Lindsay. Merci aussi. Ah, ils sont super cool, hein. Bon, bah en fait, on vous a pas dit, c'est moi que je me suis lavé. Il est trempé, Jérôme. Luna, elle est fatiguée. Hein, Luna? T'es trop belle. Regarde, elle est toute blanche, là. Faut se dépêcher. Ah, il faut que je désinfecte tout ça. J'ai trop mal. Mais je crois que je me suis bien éraflée. Hein. Oh là là. Maman. Oh, j'ai mal.